La fête des âmes perdues a fait son grand retour au reset hebdomadaire, amenant tout un tas de nouveautés ainsi que de nouvelles possibilités d'obtenir le revêtement noir d'OG pour ceux qui l'auraient manqué lors de la période d'Into the Light, et surtout le memento uniquement disponible lors de cet événement, rendant tes armes entièrement noires, je parle du memento perdu. Pour obtenir ce memento, il n'y a pas de réel secret, il faudra farmer des secteurs hantés. Ce memento ne tombera pas à la fin de l'activité lorsque vous ouvrez le coffre de fin vous donnant différentes récompenses, mais uniquement lorsque vous ouvrirez des engrammes inquiétants chez la mamie de l'événement et Eval Event à la tour. Il y a une chance que le memento tombe à ce moment précis, mais le taux de drop est soit extrêmement bas selon les différents retours sur Reddit, ou alors que Bungie a encore une fois pataugé dans les lignes de code comme l'année dernière. Je vous laisse faire votre avis dans les commentaires. Néanmoins, il y a un moyen d'avoir un memento garanti sans trop d'efforts de farm entre guillemets, avec une petite quête secrète. A noter que si vous n'avez jamais eu ce memento auparavant, soit l'année dernière avec le triomphe secret qui te donnait justement ce memento, vous devez absolument faire cette petite quête secrète afin de débloquer au moins une fois pour qu'il puisse tomber ensuite lors de l'ouverture des engrammes inquiétants. Pour faire cette quête, que vous pouvez suivre en vous rendant dans le triomphe de l'épisode avec tout un tas de points d'interrogation, il vous faudra quelques prérequis. Le premier élément est de faire au moins la quête d'introduction à l'événement donné par Eval Event, qui vous demande basiquement de faire un secteur hanté avec un masque et de récupérer le tout nouveau pompe de l'événement que vous ne devez absolument pas délaisser, car il a des perks uniques qui ne sont pas disponibles sur l'arme à la base. Ensuite, vous devez débloquer 3 masques de l'événement. Pour ce faire, vous avez 3 objectifs différents qui débloqueront chacun un masque associé. Le premier masque à avoir est le masque d'esclave maudit qui demande d'éliminer 100 chevaliers sans tête dans les secteurs hantés. Ça va vous demander une dizaine de runs normalement, ou alors si vous allez dans la nouvelle difficulté, ça vous en demandera moitié moins, chaque chevalier comptera comme 2 kills. Le second masque à avoir est le masque de spectre finalisé qui demande de récupérer des bonbons. Cet objectif se fera plus ou moins naturellement lorsque vous ferez le premier masque, en faisant bien attention d'avoir à chaque fois un masque d'Halloween équipé pour voir des bonbons tomber. Mais si vous avez besoin de plus de bonbons, voici quelques astuces qui permettront d'accélérer le processus. Déjà à la tour, il y a 2 arbres à bonbons. Le premier est à côté d'Eva et vous avez des bonbons en montant dessus, et le second est à côté d'Ikora, et même chose que le précédent, il faudra juste grimper à l'arbre pour récupérer tous ces bonbons. Vous allez déjà bien progresser dans cet objectif juste en faisant ça 3 fois, une fois par perso. Ensuite, vous avez des bonbons à chaque fois que vous terminez une activité. Le nombre dépend de la difficulté de l'activité, mais ce qui semble être le plus efficace, c'est les événements publics sur la ZME. Vous le faites rapidement, vous récupérez le coffre et vous vous téléportez directement au même endroit afin de profiter de 2 coffres pour un événement fait, voire 3 si vous êtes vraiment rapide, mais ce sera en général 2. Le dernier masque à avoir est le masque d'employé de la tour, qui est le plus facile à avoir puisqu'il suffit juste de focus un engramme inquiétant chez Eval Event. Une fois ces 3 masques en votre possession, on aura alors 3 étapes à faire avec chacun de ces masques. La première étape sera d'équiper le masque d'employé de la tour et de parler à Eval Event. Vous allez avoir un peu de dialogue, puis de faire la même chose avec le vagabond, et enfin chez 514, et vous avez un petit sac à la fin. La deuxième étape sera d'équiper le masque d'esclave maudit et de faire 100 kills explosifs n'importe où dans le système solaire, ce qui signifie 100 kills avec un lance-grenade spécial ou lourd, ou bien avec un rocket. La façon de faire le plus rapidement ces kills, c'est avec un tolérance avec réaction en chaîne, et de les faire sur la lune à l'hôtel du malheur par exemple. La troisième étape sera d'équiper le dernier masque, spectre finalisé, et ça sera le plus long à faire vu qu'il faudra faire 50 kills dans un secteur hanté en difficulté expert. Normalement, après avoir fait tout ça, vous pouvez enfin valider votre triomphe débloqué et récupérer votre memento garanti avec un petit emblème, et pourrez par la suite farmer l'événement pour toujours plus de memento ou bien de nouvelles armes. Voilà tout pour débloquer ce memento garanti. Bon grind à vous, surtout pour les personnes qui n'auraient pas un bon lance-grenade lourd abyssal. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc si vous ne voulez rien manquer, le petit abonnement et le petit like qui font plaisir. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby. What you know about living on the top? Penthouse suites looking down on apartments, down on apartments, down on apartments, down on